Salut à toutes et à tous, ici Caléon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure sur Poképark, premier du nom, la grande aventure de Pikachu, c'est trop bien, je sais lire, oh lol. Bon, alors pourquoi Poképark? Eh bien tout simplement parce que j'avais regardé il y a quelques temps un let's play sur le 2 justement, sur la chaîne de The Daxfire, et j'avais totalement kiffé, déjà qu'à l'époque, quand il est sorti, j'étais un petit peu curieux, mais je me suis dit, ouais, bon, ça doit être un peu comme Battle Revolution, ça doit être un peu raté, enfin, je sais pas. Bah, en fait, pas du tout, enfin, j'ai jamais joué au 1 et au 2, j'ai juste vu des vidéos du 2. Et le 1, ça va être une totale découverte, et apparemment, je ne serai pas déçu. Donc, m'en voulez pas si je vais lentement, et si je suis naze sur ce jeu, parce que c'est en découverte. Bon, voilà, j'avais joué, allez, j'avais joué une minute, enfin, là, il n'y a pas de chrono, parce que j'avais fait juste le tutoriel, je crois, histoire de voir les commandes un petit peu. Et j'espère vraiment que cette nouvelle aventure va vous plaire, en tout cas pour moi ça me plaira. Et c'est en découverte, je le redis, donc faut pas s'étonner si je fais du caca. Donc ouais, j'avais sélectionné ça pour troller un petit peu. Hein. On va prendre laquelle? On va prendre celle-ci, voilà. Oui, des vœux. Par contre, les commandes sont un peu bizarres pour les menus quand même. Hein. Attendez, valider. Mais... Ah voilà, putain, j'arrive pas. Bon voilà, c'est parti. Alors, allez au Poképark, code, options, on va voir les options. Changer d'icône aux F. On va faire rapide. Les vibrations... Non. Non, je n'ai pas besoin de vibrer pour jouer à un jeu. Oh lol. Les codes, c'est quoi ça? D'accord, bon bah. Doit être quelque chose de spécial. Par contre, j'ai vu un truc, attendez juste deux secondes. Ah ok, ça c'est les attractions qu'on déverrouille en gros, ok. Bon. Alors voyons voir ce que nous réserve ce jeu. Pikachu? Tu t'appelles Pikachu? C'est un joli nom. Moi, c'est Mew. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Le prisme céleste qui protégeait le Poképark s'est brisé. Les éclats se sont éparpillés à travers le parc. Si l'on ne fait rien, le Havre céleste n'aura plus l'énergie suffisante pour voler. Et s'écrasera sur le Poképark. Alors j'aimerais... que tu rassembles ces éclats de prisme. Il y en a 14 en tout. Les Pokémon spéciaux du Poképark les ont ramassés. Je t'attends au Havre Céleste. J'ai confiance en toi. Tiens, tu n'es pas d'ici, toi. Pardon? Moi? Qui suis-je pour parler ainsi? Je suis Pijako, le guide du Poképark. Viens me voir si tu ne sais plus où aller. Oui? Tu cherches tes amis? Salamèche, Tiplouf et Germignon. Ah non, je ne les ai pas vus. Quoi? Ça veut dire quoi ce regard? Je n'ai jamais dit que je ne savais tout. Bref, tu les trouveras peut-être au Poképark. Je te guide, alors suis-moi. Je suis Pijako. Tiens, la télécommande, oui, à l'horizontale, les déplacements... Ah, bah, ok. Bon, bah, en tout cas, je suis vraiment content de faire cette nouvelle aventure avec vous. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est un open world et que c'est un peu à la troisième personne. Et grosso modo, on contrôle Pikachu au début. Vous avez vu au début du jeu... Enfin, au début, nous sommes au début, mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu Salamèche, Tiplouf et Germignon, qui sont vachement bien faits. Enfin, les Pokémon, je trouve qu'ils sont bien faits. Et là, je m'amuse à sauter parce que Pikachu est un ninja, vous voyez.
Donc oui aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de micro. Enfin, ça fait un petit moment du coup, mais c'est pas grave. Hein, ça fait toujours plaisir et ça prend 2 secondes d'acheter un micro. Mais ça fait mal au cul parfois quand ça coûte cher. Mais enfin bon, là je l'ai payé quoi? J'ai payé 19€ je crois. Donc bon, ce sera nettement mieux avec ce micro plutôt que l'autre. Je pense que vous partagerez mon avis. Et donc on va aller voir Pijako puisqu'il a quelques infos à nous dire. Et puis moi je vais arrêter de sauter comme un con aussi. Parce que... Ah, tu es là. Avant d'arriver au Poképark, j'aimerais tester 2 ou 3 choses. Tu sais courir, hein? Il y a une caisse là-bas. Fonce dedans. Je suis sûr que ton sprint est capable de casser des caisses. Ok, ouais, ça je le savais parce que j'ai fait ce tutoriel. Les commandes un petit peu... Enfin, au début, elles sont assez bizarres, je vais pas vous mentir. J'ai eu du mal à m'y habituer au début. En cassant les caisses, tu peux trouver des baies et des objets. Excusez-moi. Il suffit de toucher les baies pour les ramasser. Ok. On verra bien à quoi ça sert plus tard. Ok, bon, je sais pas viser. Allez, cours. Voilà. Ok, 50. On a l'impression que c'est un système un peu à la Zelda, là. Comme les rubis, je sais pas, c'est... C'est bizarre. Tu as réussi à briser la caisse, bien joué. Maintenant, j'aimerais tester ton ressort. Il y a beaucoup d'endroits dans le Poképark auxquels on ne peut pas accéder sans sauter. Je t'attends là-bas. Viens en sautant par-dessus cet arbre tombé à terre. Ouais, ça c'est ce que je m'amuse à faire depuis tout à l'heure. Donc d'après ce que j'ai compris de l'histoire, Mew aurait besoin de nous parce que c'est une question de sauver le Poképark. Ben, j'ai pas trop compris, enfin en même temps je découvre, donc bon, nous verrons bien. Alors qu'est-ce qu'il va me dire? Très bien, tu sais foncer et sauter. Oh, really? Je suis sûr maintenant que tu sauras te débrouiller dans le parc. Le Poképark est plein de jeux très différents. Ce qui oppose seulement 2 Pokémon s'appelle des défis. Le défi le plus populaire de tous est la course. Ah voilà, je vais t'apprendre la course. La course consiste à toucher l'adversaire dans le temps imparti. Fonce suite dans en sprintant pour gagner. Ok, je vais fuir, alors essaie de me toucher en courant, compris? En tout cas, le tutoriel, il est sympa. Mais j'adore vachement les décors, quoi. Les musiques, elles sont vraiment très belles. Bon, il suffit de spammer 1, hein, c'est très simple. Bon, là, c'est normal que ça fasse au ralenti. Hein. C'est pas un jeu qui rame, vu qu'il est neuf, le jeu. J'ai payé 25€. Le truc, il coûte 50€, mais c'est pas grave. Eh bien, tu n'y es pas allé de main morte. J'ai la tête qui tourne. Oh, je maltraite les pigeons, OMG. Quoi qu'il en soit, tu as l'air en forme, tant mieux. Tu as réussi le test. Tu sais maintenant jouer à la course. Très bien, prends ces baies. Quand tu remportes un défi, 2 bonnes choses arrivent. D'abord, tu te fais un ami. Remporte un défi contre quelqu'un et hop, il devient ton ami. En fait, les défis, c'est plus fort que les curly pour devenir ami avec des gens. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et l'avantage d'un nouvel ami, c'est... Bah, on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Ah d'accord, pardon? Mais bien sûr, moi-même, je suis devenu ton ami. C'est bon? Je continue mon explication. L'autre bonne chose, c'est que c'est les baies que je t'ai données. Tu en gagnes à chaque fois que tu remportes un défi. Et tu comprendras vite à quoi elles servent une fois dans le parc. Allez, fin des explications, on se revoit plus tard. En fait, faut taper, faut rentrer dans les Pokémon pour qu'ils deviennent tes amis, t'sais. Oh, salut toi, Lockpin. Ah non, c'est la Poresse, Lockpin, son est beau, putain. Ouais, au fait, Poképark 1, il y a les 4 premières générations, il me semble. Enfin, les 4 premières, il y a les 4 générations, et dans le 2, il y a la 5ème aussi. Bonjour, toi aussi, tu vas au Poképark? C'est un endroit génial. On peut y devenir ami avec des tas de Pokémon et jouer dans plein d'attractions. C'est cool, ça. C'est juste de l'autre côté de la forêt. Allez, je pars devant. Ah ouais, mais si tu vas à cette vitesse, mec, voilà quoi. Bon, on a une mini-map à droite. En bas à droite, plutôt, c'est cool. Par contre, je sais pas s'il y a des objets à trouver, parfois. Je n'en sais foutrement rien. En tout cas, c'est la prise en main est cool. Même bien qu'un peu difficile au début, mais bon, fais avec, hein. Ok, il y a un ronflet comme d'hab qui pionce. Approche-toi d'un Pokémon et appuie sur 2 pour lui adresser la parole. Les Pokémon qui ont quelque chose d'important à te dire ont une sorte de bulle au-dessus de la tête. N'hésite pas à aller leur parler. Ça, je m'en doutais. On va juste voir tout autour s'il y a quelque chose. Apparemment, il n'y a rien. Bon, let's go. Putain, toujours un ronflex qui pionce, quoi. Arrêtez de dormir, les mecs. Hein. Ah, c'est toi, je t'attendais. Ronflex bloque le chemin vers le Poképark. Comme d'hab. Je suis sûr que tu connais un bon moyen de lui filer un coup de jus. Oh, 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 oh. Attaque éclair?
Ouais, tonnerre, okay. Pardon. Tu dois te tourner vers la bonne direction pour toucher ta cible. Tu peux te retourner vers le Pokémon de plus proche en appuyant sur B. Ouais, ça c'est pour la caméra. S'il n'y a aucun Pokémon près de toi, cela te permet de tourner dans la direction que regarde Pikachu. Ok, putain, c'est génial. C'est génial, je prends mes affaires. Oh ouais, stylé. Oh, c'est stylé. Oh, il dort aussi. Ah non. Salut. Oula. Ah ouais, comme ça, il est comme ça lui. Ok, pourquoi pas. D'accord. Bah bonne nuit monsieur. On est trop fort, on est trop aux soins. Merci, nous pouvons enfin aller jouer. A plus tard dans le Poképark. Mais c'est qu'il est trop soin le Ronflex. A tester un truc, c'est ce que je voulais faire. D'accord. Non, je veux juste sauter sur ton ventre en fait. Pas moyen de sauter sur son bidon là. Non. Voilà, moi tu vois, je t'électrocute. Bon bref, on va passer par ici. En tout cas, j'aime vraiment bien le début, c'est sympa. Alors, on va voir ce que ça nous réserve pour la suite. Encore toi, Pijako. Salut. Ah, enfin. J'aimerais te donner quelque chose. Tu reçois le carnet Poképark. On appelle ça le carnet Poképark. Ouais, merci. Tous les noms des Pokémon avec lesquels tu deviens ami s'y inscrivent automatiquement. L'une des plus grandes joies du Poképark est de devenir ami avec autant de Pokémon que possible. Lorsque tu t'es fait de nouveaux amis, ouvre ton carnet et regarde. Mais attention, ce n'est pas facile de le remplir en entier. Ouais, mais moi je suis un dresseur Pokémon, wesh. Dans les versions console portable, j'ai tout capturé, wesh. Ouvre ton carnet Poképark avec plus, tu pourras y lire des informations sur les amis que tu t'es fait ou les stats de Pikachu. Par contre, par ailleurs, si tu veux arrêter de jouer, il te suffit d'ouvrir ton carnet et choisir sauvegarder. Enregistrer ta progression, d'accord. Ouais, t'es mon ami. Putain, mais le jeu est vachement complet déjà, rien qu'au début, c'est cool. Ok, stats de Pikachu. Énergie, sprint, tonnerre, queue de fer. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. C'est assez complet, hein. Ok, bon, là, il y a 14 prismes. Ok, tes amis. Pijako. Attends, il y en a combien comme ça là? Ah, tu peux pas avoir tous les Pokémon, il y en a 193, d'accord. Ah, ça c'est dommage, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Parce que 193 Pokémon. Enfin, c'est vraiment pas mal quoi. D'accord, bon, attends. Rencontrer Alan avec une guide du parc et t'apprends de nombreuses choses, tu vas lui parler. Ouais, c'est un petit peu le guide, grosso modo. Ami, baie, pellicule, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ou alors, c'est peut-être des captures d'écran. Vous savez les photos qu'il y a comme par exemple dans les lapins crétins, etc. Là. Je pense, hein. Enfin, après je sais pas du tout. Alors, tu as vu mon nom? Si tu vois une icône ressemblant à un carnet à côté du nom de Pokémon qui te parle, cela signifie que ce Pokémon est ton ami. Si tu deviens vraiment très ami avec lui, l'icône prendra la couleur de l'arc-en-ciel. Waouh! Allez, à plus tard, je vais au Poképark maintenant. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me demander. Putain de sa mère, je kiffe, wesh. Bon, sinon, au niveau des épisodes, je pense pas dépasser 25 minutes. Vraiment, pas plus. Approche-toi, d'un panneau et appuie sur 2 pour le lire. Les choses qui y sont inscrites seront sans doute d'une grande aide dans ton aventure. Putain, il est complet ce jeu, bordel de merde. Droit devant Poképark, si tu te sens perdu au milieu de ton aventure, demande à Pijako. Par contre, si je vais lentement, c'est normal, je découvre, donc je vais à mon rythme, et puis j'admire aussi les merveilles que ce jeu recèle. Entrer dans le Poképark, oui. Mais en tout cas, j'adore vachement, là, rien que le début. Après, je sais pas si on pourra contrôler d'autres Pokémon, j'en sais rien du tout. Je pense que oui, hein. Notamment nos alliés. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, il y a une plaine. Wow, putain, c'est beau, hein. Ça, c'est la région de Sinnoh, là. Putain, c'est vachement beau, hein. Ça fait penser à l'été quoi, c'est pour ça que je me suis décidé à le faire très rapidement en été, parce que ça met de bonne humeur, c'est joli, et ça se met un petit peu dans le contexte dans lequel nous nous situons actuellement, même si il pleut pas mal en France en ce moment, mais c'est pas grave. Ok, bon, qu'est-ce que ce pas nous dit? Zone végétale et une zone verdoyante et éclatante, ok. Par contre, je viens de remarquer un truc, c'est dommage qu'on peut pas chevaucher des barrières, alors que le saut de Pikachu normalement il peut amplement sauter au-dessus, mais bon, c'était qu'un petit détail, c'est pas très grave. Ah, je peux sauter au-dessus du panneau, je suis trop fort. Oh, Germignon. Mais t'es un copain, Germignon. Attendez, je sais vraiment pas s'il y a des choses à trouver, hein. Je sais pas du tout. Salut.
Pikachu, tu n'as rien? On t'a suivi avec Salamèche et Tiplouf. Et on a sauté dans le trou, mais en tombant, on a été séparés. Ça s'appelle le Poképark ici, hein? Et nous, on se trouve dans une région appelée la zone végétale. Regarde tout ce vert, ça a l'air super comme endroit. Vous avez l'air très amis, bienvenue au Poképark. Je viens souvent m'amuser ici. Hihihihi, puisque vous êtes là, vous devriez essayer des attractions. Pour ça, cherchez un Pokémon qui se tient à côté d'un panneau. Et dites-lui que vous voulez participer à son attraction. Ok, bah c'est cool. On va avoir peut-être un petit système de gestion aussi avec les baies, justement, ça pourrait être sympa. Bon, il n'y a rien à trouver dans les plantes, j'ai l'impression. Enfin... Oui, parce que quand tu joues à beaucoup de jeux dans ce genre et qu'il y a toujours quelque chose à chercher dans les herbes ou des trucs comme ça en open world, quand tu joues à un jeu où est-ce qu'il nécessite pas forcément de rechercher quelque chose, tu passes un petit peu pour un parano en fait. Bon, on va aller voir Pijako quand même, parce que Pijako c'est mon copain, hein, même lui, toi-même tu sais Pijako. Hein. Tu as retrouvé ton ami Germignon, bien. Hein? La Poreille t'a invité à essayer l'attraction? Oui, c'est vrai que... Elle a raison. Donne-t'en à cœur joie. D'accord. Ouais. Oh tiens, un Goinfrex. Attends, bonjour. Il a pas une fourrure comme ça en dessous quand même. Il y a de bonnes baies un peu partout. Toi aussi, cherche-les. Ah, voilà. Mais comment tu les chopes? Ouais, on va éviter d'attaquer un petit peu tout le monde. Hein. Je sais pas en fait si... Wow, c'est quoi cette crevasse? Waouh, c'est beau. Très beau. Aïe. Oh. Ah, sans faire exprès. J'y avais pensé, mais... Pas maintenant, en fait. Attendez. Oh. Merde, non, je voulais pas faire ça sur toi, excuse-moi. Ah, sur celui-là, ça marche pas. On va essayer, voir si ça marche sur d'autres. Non. Bon, bah tant pis, ça marche pas sur... On verra bien au fur et à mesure, de toute façon. Au pire, j'irai me renseigner après la fin de cet épisode, ça pose pas de soucis. Merde! Désolé. Ouais non mais désolé, j'ai failli te foutre dans un trou, désolé. Pardon. J'ai pas fait exprès, je l'avais pas vu. Il y a moins de Pokémon que la dernière fois que je suis venu. Ah bah c'est bien, on peut s'amuser à faire du coup de tête avec. Ça c'est un jeu, je vais bien aimer ça. Lol. Non allez, on arrête de faire les cons. Salut Tortipousse. C'est la première fois que tu viens dans la zone végétale? C'est un endroit reposant, hein? Peut-être trop reposant pour toi. TG? Merde, c'est pas visé. Attends, on va régler ça. Attendez, j'essaie de viser. Ah, ça marche pas pour le lisse-protège. Oh, salut! On a un bulle bizarre géant. Je vais juste regarder un petit peu aux alentours s'il y a autre chose. Genre par exemple ici. Parce que ça a l'air d'être très grand. Ouais, non, vous savez quoi? On va pas faire ça. On va tout simplement aller voir Bulbizarre. Enfin, je crois que c'est Bulbizarre. Ouais, si, c'est Bulbizarre. On va aller voir Bulbizarre. Attends, Germignon, t'as un truc à me dire, toi? Une attraction, c'est quoi? J'aimerais bien essayer. Salut, Kaito. Tu veux jouer à l'attraction de Secousse Sprint? Pas question. Dans la zone végétale, c'est interdit de participer aux attractions et d'aller dans les autres zones. Mais si on est discret, Monsieur Florizard, le maître de la zone, ne saura rien. Putain, il est quand même grand, Bulbizarre. Je me souviens que c'était pas... Il était pas plus grand que Pikachu ou Germignon. Hein. Enfin bon, c'est pas très grave. Allez, je te laisse jouer, ne le répète à personne. Hein. Il y a une attraction, mais c'est interdit d'y jouer. C'est idiot comme règle. Pikachu, essayons. Dans mon attraction, tout le monde fait la course. Tu gagnes si tu dépasses la ligne d'arrivée en atteignant l'objectif. Normalement, ça coûte 5 baies de faire un secou sprint. Mais pour le moment, je ne te demanderai rien. Parce que tu es mon premier participant depuis longtemps. Tu veux jouer au secou sprint? Bah oui, on va voir ce que c'est, tiens. Ah ah! Hourra, tant mieux! Traverse la piste forestière, atteint la ligne d'arrivée le plus vite possible, objectif 10 secondes. Suite. Secoue la télécommande, oui, dès le signal de la barre, plus tu la secoues, plus tu vas vite. Ah ouais, d'accord. Ok, je vois le truc. What? Oh, c'est stylé! Mais sérieux, c'est énorme! Chenipan, Aspico, Magikarp, Voltali, Arcanin, Philali, Assicateur, Ponita, Fuck ma vie, tu vois, Dixie,
Evoli, Pachirisu, la forêt, Cradopo, Pikachu, Mysticram. Mais ce jeu, il va... Voilà quoi, il est génial. Je me demande si on contrôle un Livegon. On va faire avec Pikachu, parce que Pikachu, c'est le best champ ever, tu vois. Putain, Voltaire, s'il vous plaît. Arcanin, s'il vous plaît. Ok, on a des Cradopo, on a Tortipousse. Ils ont l'air furaces quand même, les mecs, hein, je veux pas dire, mais... On va voir. Ah ouais, ils vont quand même vite, hein. Moi, je vais plus vite que vous, qu'est-ce qu'il y a? Je vous chlasse, moi. Ok, alors là, j'ai pété les records, hein, 7 secondes 67. Oh lol. Bon, c'est des petites épreuves toutes simples, mais qui sont vraiment cool. Enfin, perso, j'aime bien. Ça prouve que Pikachu, il trace. Mais en tout cas, l'ambiance du jeu, j'adore. Ok, tu gagnes 100 baies. Ça, c'est cool. Ouais, nouveau record, tu peux pas tester. En secret, les records mondiaux, c'est 5 ou 4 secondes, tellement les mecs, ils sont surdopés. Enfin bon, on a réussi notre première attraction, on est trop YOLO, tu vois. Ok, chargement. Ouais. Pikachu qui dort. Pourquoi pas? Bravo, tu as réussi. C'est toi qui as remporté l'épreuve cette fois. Mais sache que les Pokémon qui sont devenus tes amis peuvent aussi participer aux attractions. Ah, et aussi, si tes amis gagnent, c'est compté comme ta victoire. Parce que c'est tes amis, tu vois. Et puis ensuite, reçois ça. Oh, le premier prisme. Ah, c'est cool. Donc en gros, il y a 14 attractions, quoi. Grosso modo. C'est joli, hein. Je surveillerai l'attraction quand c'est tombé du ciel. Après, j'ai rêvé de Mew, qui m'a dit qu'il voulait que je le donne à la première personne qui réussirait l'attraction. Oh, donc c'est à toi. Ouais, on est devenu amis avec Bulbizarre. Hey, toi là, t'as fait l'attraction, hein. Salut Arco. Putain, il est stylé ce Poké. C'est interdit de participer aux attractions, tu le sais. Suis-nous, on va t'emmener voir le maître Florizarre. Oula. Hein, quoi, je veux pas. Oh, ça va chier. Arco, t'es BG, tu le sais. Hein. What the. Hey, mais. Hey, mon pote. Hey, touche pas ma meuf, mec. Hey, je vais te chlasser. Oh non. C'est ma faute. C'est moi qui vous ai poussé. Non, c'est moi tout à l'heure qui t'ai rentré dedans. Non, bon, bref, j'arrête de dire des bêtises. Je t'en supplie, sauve Germignon. Moi aussi, je t'en supplie. Un féroce singe est allé voir Monsieur Florizarre, a-t-il dit. Il se trouve de l'autre côté de la rivière, derrière un grand portail. Ok, mec. Ok. Bon, ça fait combien de temps? 23 minutes. Ou même peut-être un peu moins, puisque j'ai fait une petite coupure. Merde, je t'en prie, oui, pardon. Écoutez, vu que j'ai quasiment le sens de l'orientation, on va un petit peu explorer avant de partir. Juste une petite partie. Hop, y a-t-il quelque chose par là? Attendez, j'essaie juste. Est-ce qu'il y a des arbres reconnaissables ou est-ce qu'on peut rentrer dedans? Ouais, ceux-là. Oh yeah! Ok. J'ai repéré les arbres que l'on peut. Qu'on peut chlasser, tu vois. Et voilà. Bon, par contre, j'ai encore du mal avec la prise en main. Mais bon, ça passera. Il n'y a pas d'autres arbres à première vue. On va voir celui-là. Non, ouais, bon, les arbres qui permettent d'avoir des baisses sont des arbres gris, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ok, bon, on va juste un petit peu explorer. Waouh, putain, la cascade, quoi. Ça fait penser un petit peu au décor de Wii Sport Resort. Je sais pas pour vous, mais c'est joli, en tout cas. C'est vrai que c'est un petit peu ce genre de truc dont je rêvais sur Pokémon. Après Pokémon Colosseum et Pokémon XD. C'est quoi ça? What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Alors là, je ne vois pas du tout ce que c'est, quoi. Bon, on va le laisser, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, attendez, on va pas le laisser ici. On va le laisser dans un endroit dont je me souviendrai, parce que sinon, ça va pas le faire. Pikachu, passion bricolage. Hein, voilà. Livraison de bois, c'est comme vous voulez. Livraison de bois à domicile, évidemment. Je vais aller le foutre à côté de Bulbizarre, au moins je serai sûr de pas l'oublier. Mais je me demande bien à quoi ça sert, ce truc. Franchement, je vois pas. Aucune idée, mais bon, on verra bien avec le temps. Mais... Ah! Alors, en bleu, c'est... ouais, c'est... Comment dire, c'est le centre. Enfin, pas le centre de la map, mais... On va foutre ça là. Voilà. Bah écoutez, on va se laisser ici quand même pour un premier épisode qui aura duré une bonne vingtaine de minutes. J'espère vraiment que cette nouvelle aventure vous plaira. Personnellement, je suis totalement conquis par le jeu pour l'instant, hein, donc on verra bien. Donc, je vous...
What? J'ai faim, je peux plus bouger. Je sens une grosse baie cachée dans une caisse. Casse les caisses et domine-moi. Non. Domine-moi, d'accord. Donne-moi la baie, putain, pas domine-moi. Ah, ok, tu peux porter les objets. Stylé, bref. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et au prochain épisode. Allez, bye bye!